Aujourd'hui, nous allons jouer à la marelle avec les filles et je vais encore gagner. Ah, bonjour, monsieur Paul. Oh, bonjour, mon petit Pedro. Comment vas-tu? J'espère que tu ne t'es pas blessé, mon garçon. Non. Ah, ben, j'ai eu très peur. Oh là là. Je suis heureux de voir que tu n'as rien, tu sais. Mais dis-moi, où allais-tu avec tant de précipitation? J'ai oublié quelque chose en descendant du bateau tout à l'heure. Et je cours jusqu'à la plage pour les récupérer. Mais le bateau est sûrement déjà reparti. Oui, mais si je fais de grands signes avec les bras, ma mère m'apercevra s'il n'est pas trop loin de la côte. Je me dépêche. Bonjour à tous. Que faites-vous là tous les trois à discuter au milieu du chemin? Je vais vous expliquer, c'est à cause de Patou. Il a oublié quelque chose dans son bateau. Est-ce que tu as oublié, Patou? C'était important. Oui, j'ai oublié de ramasser un sac dans lequel j'avais mis mes ciseaux et ma pâte à modeler pour les travaux manuels. Catastrophe! Je vais essayer d'arrêter ta mère. J'irai plus vite avec mon vélo moteur. Tu n'auras qu'à nous rejoindre sur la plage. Ah, formidable! Merci mille fois, monsieur Paul. Ça va, ce n'est rien. En route, à tout à l'heure. Bon, il ne faut plus que je traîne. J'y cours. Patou est une vraie tête en l'air. Pedro, il est facile de se moquer des autres. Mais es-tu toi-même certain de ne jamais rien oublier? Sûr et certain. J'ai toujours toutes mes affaires. Parce que tous les soirs, ma maman me prépare mon cartable en consultant mon programme du lendemain. C'est donc ça, Pedro est un bébé. Pedro est un bébé. Ah, zut, j'aurais pas dû dire ça. Je vous suis très reconnaissante pour tout le mal que vous êtes donné, monsieur Paul. Oh, ben c'était tout à fait naturel. Je suis heureux d'être arrivé à temps. Maman! Maman! J'ai oublié mon sac! Voici ce que tu es venu chercher, je pense. Oh oui, merci. Une minute. Je suis contente que tu l'aies trouvé. Pas si vite, Patou. Avant de te réjouir, écoute-moi. Mais maman! Silence! Je veux que tu apprennes à réfléchir avant d'agir. Si tu utilisais un peu plus ta cervelle, tu économiserais tes jambes. Aller et venir en s'essoufflant n'est pas une bonne solution. Je sais, maman, pardon. Promets-moi dorénavant d'être moins distrait. Je te le promets, maman. Bon, je compte sur toi. Et regarde où tu marches en retournant vers l'école. Oui, je ferai attention. Merci, monsieur le facteur. Je t'en prie, au revoir. J'ai encore beaucoup de lettres à distribuer. Il faut que je me remette au travail. Oui, je comprends. Merci pour tout. Au revoir, madame. Bonne journée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et attention, maintenant c'est à mon tour. Regardez faire le champion. 2, 3, 4, 5. Tu t'es fait mal, Pedro. C'est pas trop grave, j'espère que tu n'es pas blessé, non? Non, j'ai rien. Tu peux recommencer parce que tu es tombé, alors. Merci. Cette fois, je vais y arriver. Vous allez voir. Attends une minute, Pedro, regarde tes vêtements. Ils sont pleins de terre. Tant pis, c'est pas grave. On continue. Mais si c'est grave, tu ne peux pas aller à l'école comme ça. Laisse-moi faire. Voilà. Regarde dans quel état tu t'es mis. Enfin, lorsque la boue sera sèche, il suffira de brosser ta salopette et la saleté s'en ira plus facilement. Anita parle exactement comme ma mère. Ah ouais, c'est vrai. Elle se conduit comme la mienne aussi. Anita est toujours aux petits soins avec nous. Elle nous aide, elle nous nettoie. C'est une vraie petite mère. c'est vrai. Merci, Anita. Oh, voilà, Patou. T'arrives maintenant pour jouer avec nous. Je suis content. On joue à la marelle. On s'amuse comme des fous. Maintenant, c'est au tour d'Anita. Oui, bon, j'y vais. Je vais essayer de gagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Regardez les chaussures d'Anita. Une de ses chaussures est bien cirée et l'autre non. Patou a raison. Mais comment ça se fait? Oh, ça alors? C'est bizarre. Tu peux nous expliquer pourquoi une seule de tes chaussures a été nettoyée? Oui, pourquoi? Attendez, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, nous allons fabriquer des autobus avec les dessins que vous avez faits hier sur du carton. Alors, prenez vos paires de ciseaux et au travail. Oui, mademoiselle. Patou, ton autobus ressemble à celui qui fait la navette jusqu'à la ville?
Oui, l'autre jour, j'étais en ville avec mon papa et nous avons pris un autobus comme celui-là pour nous y rendre. Ah, c'est impossible, je les trouve pas. Oh. Freddy, t'aurais pas vu ma paire de ciseaux par hasard? Non, pourquoi? Tu ne les retrouves pas? Ma mère a sûrement pas oublié de les mettre dans mon cartable. Tout à l'heure, tu t'es moqué de Patou. À présent, il t'arrive la même chose. Mais c'est pas ma faute. Si t'avais préparé ton cartable toi-même, t'aurais peut-être pensé à y mettre tes ciseaux. Oh, ça va, m'énervez pas. Tu es le seul fautif. Je vous ai assez entendu. T'es un vrai bébé. Un bébé, bébé, moi. Bébé. Ah, si je suis un bébé. Retire ce que tu viens de dire, sinon ça va aller mal pour toi. Mademoiselle. Viens ici. Reviens, mademoiselle, Pedro veut me faire du mal. C'est pas ma faute, mademoiselle. Amélie m'a taquinée parce que j'ai oublié mes ciseaux. Je suis une tête en l'air. En effet, c'est exactement ce que je pense aussi. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Mais dis-moi, Pedro, est-ce bien toi qui prépares ton cartable tous les soirs ou ta maman le fait-elle pour toi? Comment le sait-elle? C'est toi qui le lui as dit, hein? Hein? Non, je suis pas une rapporteuse, c'est facile à deviner. À votre âge, vous ne devez plus compter sans cesse sur vos parents, mes enfants. Non, mademoiselle. Dépêchez-vous de vous remettre au travail. Lorsque vous aurez tous terminé, nous irons nous promener au bois pour le cours de sciences naturelles. Oui, au bois. J'adore les cours de sciences naturelles. Moi aussi. Dépêchons-nous de terminer. J'ai presque fini. Et toi, Amélie? Moi aussi. J'ai plus qu'à découper les roues et le pare-brise. Voilà. Terminus, tout le monde descend. Nous vous remercions pour votre confiance. À bientôt et en partant, n'oubliez rien sur le siège. Bravo Amélie, on croirait entendre un vrai chauffeur d'autobus. Aujourd'hui, notre cours de sciences naturelles se basera sur l'observation. Qu'est-ce que ça veut dire? Observer veut dire regarder attentivement un élément afin de le connaître et de l'étudier. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à votre âge, vous deviez vous débrouiller tout seul. Dans les bois vivent de nombreux animaux qui sont livrés à eux-mêmes pour se nourrir, se défendre, bref, pour survivre. Nous allons les chercher ensemble, vous voulez bien? Mademoiselle Mimi, venez voir, j'ai trouvé quelque chose. T'as déjà repéré un animal? Où est-il? Je vois rien. C'est un insecte, plus précisément. Regarde là. Une araignée qui fait sa toile. L'araignée est un petit insecte et pourtant elle fabrique toute seule, sans l'aide de personne, d'énormes toiles d'araignée. Mademoiselle, venez voir ce que j'ai trouvé. Oui, voilà, je te suis. Tu as trouvé un spécimen qui se défend tout seul? Oui, regardez, les voilà. Où ça? Là. Mais ce ne sont que des fleurs. Ben oui, ces fragiles petites fleurs doivent affronter toutes seules des tas d'éléments pour pouvoir pousser et fleurir. Mademoiselle, moi aussi j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est par ici. Vraiment, Freddy? Ah oui, venez voir. Là-haut. Vous le voyez? C'est un nid d'abeilles. Et voici une petite abeille ouvrière au travail. Est-ce que c'est vrai que dans un nid d'abeilles, il y a des tas de compartiments? Mais oui, tout à fait exact. Mademoiselle, venez voir. J'arrive, Pedro. Des fourmis géantes. Des fourmis géantes? Là, par terre, vous les voyez? Oui, mais ces fourmis sont de taille normale. Les fourmis font preuve d'une ardeur incroyable et d'une grande ingéniosité. Les fourmis sont travailleuses et courageuses. Elles ne comptent que sur elles-mêmes. Elles n'ont besoin de personne. Il faut que tous ces insectes soient un exemple pour vous. Oui, mademoiselle. Enfin, votre journée d'école est terminée, vous rentrez chez vous. Oui, monsieur Paul, vous allez où? Moi? Un colis postal vient d'arriver pour mademoiselle Mimi, alors je lui apporte. Bon, nous devons nous mettre en route. Au revoir, monsieur Paul. Au revoir. Au revoir. À bientôt, monsieur Paul. Regardez le ballon de l'école. Oh là là, nous avons oublié de le rendre à la maîtresse après avoir joué avec à la récréation. C'est pas moi qui étais lui demander le ballon.
Mais c'est pas moi non plus, Una. Et moi non plus. Il n'en reste plus qu'un. Oui, c'est moi. J'ai été le chercher, mais je vais aller le rapporter. Si tu veux, nous t'accompagnons. Je vais avec toi. Non, pour rapporter une balle, un seul suffit. Mais attendez-moi là. D'accord. Oui. Oh, tout d'un coup, ça me revient. Anita, tu nous as toujours pas expliqué pourquoi une de tes chaussures est propre et bien cirée, tandis que l'autre ne brille pas du tout. Ah oui, explique-nous pourquoi. Eh bien, voyez-vous, une de mes chaussures a été cirée par ma maman. Et l'autre, c'est moi qui l'ai nettoyée du mieux que j'ai pu. Et pourquoi ta maman ne cire-t-elle pas les deux chaussures? Ben oui, pourquoi? Je voulais prendre soin de mes propres affaires. Mais je n'arrive pas à tout faire toute seule, alors maman me cire une de mes chaussures. Oh, c'était donc ça. Malheureusement, je ne suis pas encore très douée pour cirer mes chaussures. C'est pour ça que vous en voyez une plus brillante que l'autre. Mais à force de persévérance, je finirai bien par y arriver. Et un jour, vous ne pourrez pas reconnaître la chaussure que j'aurai cirée moi-même. Oh, bah t'as raison, c'est bien. Mes chaussures brillent de la même façon parce que ma maman les cire toutes les deux. Je fais aucun effort pour essayer de l'aider. Pour moi, c'est exactement la même chose. Anita, je te demande pardon de t'avoir taquinée ce matin, mais je ne savais pas. Oh, ce n'était pas grave. Voilà Freddy qui revient. Tu as rendu le ballon à mademoiselle Mimi? Oui, ça y est. Allez, on revient. Allons-y. En route. Ouais. Les fourmis transportent de lourds morceaux de nourriture. L'araignée, pendant de longues heures, tisse d'énormes toiles. Anita aussi fait des efforts pour s'occuper de ses affaires et aider sa maman. Elle a décidé de prendre des responsabilités. Oh oh, un goéland. Lui aussi se débrouille tout seul pour pêcher sa nourriture. C'est décidé, je vais prendre de bonnes résolutions. Oh, hé, le goéland, je te promets d'être moins fainéant et plus entreprenant. J'ai tout mangé, maman. C'était très bon. Maintenant, je vais ranger mon assiette et mon verre à la cuisine. Oh, eh bien ça alors, je n'en reviens pas. C'est la première fois que tu débarrasses la table. Au fait, Patou, en faisant la lessive, je n'ai trouvé qu'une seule de tes chaussettes. Peut-être pourrais-tu me dire où se trouve l'autre? Oui, bien sûr, je sais où elle est. En fait, je l'ai lavée et je l'ai déjà pendue dehors sur la corde à linge. Oh, c'est une très bonne idée de vouloir faire ta propre lessive. Mais dis-moi, pourquoi ne pas avoir lavé la paire? Je voulais comparer les deux, maman. Je voulais voir laquelle, entre celle lavée par toi et celle lavée par moi, serait la plus propre. Les comparer? Oh, hein? Oh, je vois. Je ne sais pas exactement où tu veux en venir, mais ton idée ne me déplaît pas. En tout cas, tu fais des efforts. Oh, oh. Maman, dorénavant, j'ai décidé de laver mes couverts, mon assiette et mon verre après chaque repas. Est-ce que tu es d'accord? Tu veux aussi laver ta vaisselle? Oui. Eh bien, si tu me promets de la laver avec soin, j'accepte volontiers. Formidable! Ça me fera déjà un couvert en moins à laver.